The topic today is coat of arms of Rodrigues, donc le blason et le sceau de Rodrigues, le seal of Rodrigues. Donc, le tout pas le document important de Rodrigues, prenant coat of arms of Rodrigues, c'est-à-dire estampe de coat of arms of Rodrigues. Donc, allons voir the features on the coat of arms. Alors, il y a deux oiseaux au coat of arms of Rodrigues, solitaire. Quel solitaire il représente? Past wildlife, femelle de Rodrigues present wildlife in Rodrigues. Okay. Donc, solitaire, bien sûr, c'est the solitaire is an extinct big bird of Rodrigues. The femelle is an endemic warbler. Alors, warbler, femelle, il y en a beaucoup d'espèces partout dans le monde, mais ça, l'espèce qui trouve à Rodrigues là, seulement à Rodrigues qui est dans ça. Donc, on appelle ça femelle de Rodrigues, endémique, endémique, unique à Rodrigues. Agricultural product, ok, produit de l'agriculture, de la maïs, des maïs. Artisanal products, veut dire craft product, un produit qui fait à main, et un chapeau. Et puis basketry, vous trouvez, et un morceau d'un panier qui appelle ça weaving. Donc, appelle ça, the art of making basket is called basketry. Okay? Donc, hats and baskets, c'est un artisanal products on the coat of arms. Other products, you will see seafood products, it is represented by a fish. Donc, c'est un seafood, un octopus, fish and other seafood. Flower, it is a flower of Rodrigues, Rodrigues hibiscus. Hibiscus, bien sûr, il y a beaucoup de variétés à travers le monde, mais sa variété qui trouve à Rodrigues là, c'est unique à Rodrigues, donc il est endémique to Rodrigues. Et il y a bien tiré de ça, bien tiré de pied qui est là. Scroll, c'est ruban. Okay? The motto of Rodrigues is travail, solidarité, fierté. Okay? The scroll, mais dès que ce ruban on va shield là. The motto est écrit travail, solidarité, fierté. Alors, numéro 6. Lilo scroll et cette deuxième partie, il expliquait l'explanation of the scroll. Pourquoi on a écrit travail, solidarité, fierté? Donc, on peut écrire cette phrase-là. OK? Fierté, c'est pride, they feel proud, c'est la fierté, pride. Et travail, c'est travail dur. Et solidarité, veut dire ensemble, en unité, veut dire in unity, together. OK? Donc, the people of Rodrigues feel proud, fierté, to live in an Autonomous island, les autres prennent des décisions importantes pour eux-mêmes, les autres l'autonomie, and work hard, les autres travaillent, dur, in unity, les autres together, solidarité, okay? To develop the island. Relief feature, relief appel, c'est change and form of land. Alors, en banette, je trouve, et un central ridge, une chaîne de collines. Okay, rappel, narrow chain of hills, appelle ça Central Ridge. Other pictures, the two ridge line à lava peut couler, ça les montre origin of the island, origin, volcanic origin. Et puis, il y a soleil, the sun, et puis il y a aussi the sea. Okay? The sun of Rodrigues, tropical island, et puis the sea, bien sûr, il est entouré, il y a un island, entouré de la mer. Et letters, il y a trois lettres là-haut. Je trouve une écrit R-A-E, mais en fait c'est R-A-E. R-A-E veut dire Rodrigues Regional Assembly.